Généralement, dans une survie Minecraft, vient le moment où on a besoin de faire des systèmes en redstone. Et on est souvent confronté au problème des blocs de slime, voire même des pôles de slime pour les pistons collants. Étant donné que ça nous oblige à trouver un marais, attendre la nuit et farmer 2 ou 3 slimes par nuit, ce qui est vraiment pas productif. Mais heureusement, aujourd'hui, je vais vous présenter une ferme à slime qui fonctionne en bedrock et qui est surtout très rentable. Donc voilà, la farm est assez simple, elle se présente comme ça. On a juste à appuyer une seule fois sur le bouton. On attend un peu et voilà. On a plein de slimes qui vont se faire tuer par le mobloc et arriver ensuite dans le coffre. Pour faire cette farm, on va trouver un endroit assez plat, donc ici ça fera l'affaire. Et on va avoir besoin de tous les items qui se trouvent dans ce tonneau. Donc on va commencer par faire une ligne de 7 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et d'ajouter 6 blocs ensuite en longueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça nous donne du coup 7 blocs à la verticale et 7 blocs à l'horizontale si on a bien compté. On vient ensuite fermer ce carré juste ici et pour vérifier si jamais on a bien fait le carré, il nous suffit juste de mettre une source d'eau à un endroit et normalement il ne nous reste plus qu'un bloc ici de libre. Donc une fois que c'est fait, on va monter de 4 blocs en hauteur, donc 1, 2, 3 et 4. Et on va ensuite compléter tous les murs comme ça. Ce que je vous conseille, comme moi, c'est de mettre une baie vitrée ici, donc du nombre de blocs que vous voulez. Donc si jamais votre ferme ne fonctionne pas ou qu'il y a un problème, vous pourrez beaucoup mieux identifier d'où vient le problème. Et c'est un peu plus esthétique aussi, je trouve. Mais si jamais vous souhaitez pas, vous pouvez très bien le remplir en mettant uniquement des blocs. Donc une fois que c'est fait, comme je vous ai montré précédemment, on va mettre une source d'eau dans un des coins, donc où vous voulez, comme vous préférez. Mais ce que je vous conseille, c'est de la mettre en haut à gauche ou en haut à droite. Au moins le trou ici pour le coffre sera proche de la baie vitrée. Une fois que ça c'est fait, on vient se placer en face du trou qu'on vient de creuser. Donc on se met juste en face et on creuse de 4 blocs sous nos pieds. Donc 1, 2, 3 et 4. Une fois que c'est fait, on va vers la farm et on creuse de 2 avec 3 de hauteur. Pour ensuite faire un petit virage. Donc ça nous donne cette forme là. Ce qui va ensuite nous permettre de mettre un double coffre en bas suivi d'un hopper. Donc mettez-vous bien en sneak pour pouvoir le poser sur le coffre et éviter de l'ouvrir. On va ensuite se munir de nos rails pour en poser un au-dessus du hopper, suivi d'un minecart avec hopper. Une fois que c'est fait, moi ce que je vous propose c'est de mettre des échelles pour remonter, mais bien évidemment on peut creuser un escalier dans la roche, ça c'est comme vous voulez. Et on va faire de même ici pour monter en haut de la farm. Donc le bloc de libre, donc faites attention à ne pas vous mettre dessus. On va le casser, ce qui devrait normalement nous mener au minecart hopper, donc si vous n'êtes pas trompé en creusant le trou. Et on va le remplacer par un magma bloc pour ensuite venir mettre un panneau juste ici. On va donc en profiter maintenant pour reboucher le toit. On va ensuite prendre le bloc au centre du toit et le casser, puis mettre 3 blocs de chaque côté de ce trou en hauteur comme je fais là. Comme d'hab, on n'oublie pas les petites échelles. Donc quand on prend la farm de face, ça donne ça. Donc on va casser le bloc de gauche et de droite pour venir y poser des dispensers dans le sens dont je vous montre. Donc on les remplace par dispenser qui pointe bien vers le centre. Donc pour le dispenser du côté droit, on va faire quelque chose comme ça. Donc on va mettre 2 blocs avec une poutre de redstone juste derrière le dispenser. On vient ensuite mettre un bloc juste ici avec un répéteur en haut. On vient poser juste derrière une torche de redstone avec un bloc juste au-dessus. Donc ce qui devrait faire une espèce de boucle infinie comme ça si jamais vous avez bien respecté le tuto. Et ensuite on vient prendre notre levier, le poser là et l'activer pour éteindre la cloque. De l'autre côté c'est un peu plus simple, donc on pose ici un bloc en diagonale du dispenser avec un bouton, une poutre de redstone, une torche de redstone et deux poudres juste ici comme ça. Là où on a mis les poudres, donc juste derrière, on va casser tous les blocs qui sont là et on va venir y placer un piston collant, donc comme moi, dans le même sens que moi, donc il devrait s'activer normalement. On va ensuite récupérer un bloc de construction et reboucher le trou. Donc voilà, ça donne ça. On vérifie bien qu'en appuyant sur le bouton, le bloc en bas s'ouvre, c'est parfait. On va ensuite ajouter un bloc de haut juste ici, donc deux blocs au-dessus du trou comme moi, on ajoute un bloc pour boucher le soleil. Et maintenant c'est plutôt simple, on remplit le dispenser de droit de cisaille et le dispenser de gauche de potions jetables de saintement. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je vous conseille quand même d'essayer de remplir un peu le dispenser, donc pas forcément en entier mais un minimum quand même. Si jamais au bout d'un moment la farm ne fonctionne plus, c'est que vos dispensers doivent être vides, donc je vous inviterai à vérifier ça. Et une fois que vous avez fait ça, votre farm est désormais terminée. Donc pour la mettre en route, c'est plutôt simple. On va avoir besoin de blocs
de neige, donc les blocs de neige, et de citrouille taillée. Donc l'objectif, ça va être de remplir cette zone là de bonhomme de neige. Donc comme moi, vous mettez deux blocs de neige plus une citrouille comme ça, et vous en remplissez un maximum. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de farmer les ressources à chaque fois, vous les farmez juste une seule fois et après ce sera bon pour vous. Plus il y aura de bonhommes de neige et plus vous aurez de blocs de slime à la fin. Bon voilà, moi j'ai mis cette quantité là, donc il n'y en a pas énormément, mais comme je l'ai dit, plus vous en mettez et plus vous aurez de bonhommes de neige, enfin de slime à la fin. Une fois que c'est rempli de bonhommes de neige, la première étape c'est d'activer ce levier, ce qui va activer la cloque et donc utiliser les cisailles pour tailler les citrouilles sur les bonhommes de neige. Donc si on fait ça, c'est pour pouvoir les reposer à la fin. Donc vous positionnez au-dessus, vous attendez que il n'y ait plus de citrouilles sur leur tête pour réactiver le levier. Ensuite on vient la récupérer en se mettant en diagonale comme ça. Donc on a déjà récupéré les citrouilles qu'on avait posées. Je vais ensuite essayer de s'écarter pour pas avoir les effets de la potion et appuyer sur le bouton. Donc ça va les faire tomber. Et dès qu'ils vont mourir, des slimes vont poney à leur place. Donc à partir de maintenant, on n'a plus qu'à attendre que les slimes se fassent tuer par le bloc magma. Et en attendant, comme vous pouvez voir, on récupère des boules de neige. Donc là, pour l'instant, c'est les boules de slime qu'on récupère. Mais une fois que tout sera terminé, on va récupérer également les boules de neige. Bah, je vais vous montrer ça. Donc en y allant un peu plus tôt, voilà, comme vous avez pu voir, bon, il y a quelques slimes qui sont sortis. Normalement, il faut juste attendre. Mais pour les besoins de la vidéo, je vous ai montré ça là maintenant. On a récupéré toutes nos boules de neige qu'on peut recraft en bloc de neige comme ça. Et donc du coup reposer les bonhommes de neige une deuxième fois sans avoir besoin de les refarm. Donc voilà, la farm est enfin terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous demanderai juste de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Ça fait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine.